Le temps pour nous de revenir sur ce rétropédalage de la mairie de Paris qui s'est engagée à ne pas abattre d'arbres sur le Champ de Mars. Plusieurs associations restent tout de même vent debout contre le projet de réaménagement des abords de la Tour Eiffel, notamment la construction de bureaux et de bagageries. Propos recueillis par Alexia Elisabeth. Ouais, il y a quand même encore beaucoup de questions en suspens et on a voulu maintenir cette conférence de presse pour alerter sur le projet du Champ de Mars qui est pour nous catastrophique, mais également sur d'autres projets destructeurs que l'on rencontre dans Paris, mais dans toute l'Île-de-France. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que la mairie prenne compte des arbres existants pour faire des projets et surtout, spécifiquement au Champ de Mars, c'est qu'elle retire, on voyait encore le panneau du permis de construire au-dessus de notre tête, qu'elle retire ce permis de construire.